Pour un gardien de but, le déplacement hanté est l'aspect le plus utilisé à l'intérieur d'un match de hockey. Celui-ci te permettra d'être capable de faire face à chaque lancer. Premièrement, la tête doit regarder en direction de la rondelle le plus rapidement possible. Une fois la tête tournée, le patin fait une ouverture en T en direction de la rondelle. Finalement, nous avons besoin d'une poussée forte, mais surtout d'un freinage puissant pour avoir les épaules perpendiculaires à la rondelle. On parle beaucoup du coup de patin pour un joueur de hockey, mais c'est aussi essentiel pour un gardien de but. Être capable de bien te déplacer fera la différence à l'intérieur d'un match et tu seras capable d'aller chercher les gros arrêts pour ton équipe.